Henri pour émaniement ministériel ça et féliciter pour Godemon Bakassa lui retirer dans le palais national qui te représente un mal épandier sous pays là dans association malfaiteur bloquer camion gaz empêcher timoun aller l'école empêcher femme enceinte à prendre soin l'hôpital et puis craser maquette peuple là dans quoi beau sale là. Ça, on a dit bravo à Père Ariel Henry pour une décision. Ça, c'est une application dans l'application à toi. Escouade démocratique, avec ensemble organisation avec parti politique signataire à quoi en septembre, qui dans la conférence de presse, félicite 9 commissaires qui dans la commission nationale suivi signataire à quoi en septembre, spécialement Rosemila Petit Frère, une femme Diom, une femme Voyant et Patrick Sully Joseph. Copos Haïti et allié, qui travaille la nuit pour la journée pour déboucher Van Akwa. Côté prisonnier politique qui va libérer avant 10 décembre ça. Nous mettons quoi commission? Ça c'est un gros pas qui va le faire parce que tout le monde commission yo mandé pour prisonnier politique yo libérer. Nous pas d'accord? Non, sans ça. Escouade démocratique a demandé à PM Ariel Henry pour dormir quelque chose. Rete tête frette, peuple avec vous. Pas de opposition encore. Tout le monde là dedans directement ou indirectement. Qui ont été dans l'accord X, qui ont été dans l'accord grec, comme nous même au niveau escouade démocratique, nous parlons de ça encore. Nous avons eu proposition. Et bien, quand on est dans proposition X, quand on est dans proposition Y, et bien, où jouez. Parce que même quand on ne peut pas jouer, on ne peut pas directement, mais on a des amis qui sont dans le pouvoir, on a des proches qui sont dans le pouvoir, on ne peut pas faire bruit pour gâter les bagailles. Et bien, dans ce sens, ça, directement ou indirectement, tout le monde joue dans le pouvoir. C'est la première fois que ça fait. Pas oublier que PM Ariel Henry demande tout le monde, tout employé privé ou l'État, doit jouer un bonus pour moi décembre. Ça, sont gros pas. PM Ariel Henry a pensé à peuple là. Là, on paye premier ministre, c'est la première fois, oui. Premier ministre est rentré dans les affaires secteur privé. Il dit que vous avez travaillé dans l'État. Que vous avez travaillé dans le privé, tout le monde pour moi décembre là, je dois jouer un bonus. Tout le monde pour moi décembre là, doit jouer un bonus. Ça, c'est un gros pas. Gros pas pour PM Ariel Henry. Ah oui, ah oui. Mes amis, ça t'a dit ça. Aïe, ça est important. Escouade démocratique songe que le président Jovenel Moïse passe 4 ans 5 mois sous pouvoir. Il n'est pas capable de jouer une entente avec l'opposition. Malgré qu'il te offre 95% de pouvoir. Tandis que, dans moins que 4 mois, seulement PM Ariel Henry joue une entente avec même Mounsayo. Bravo pour PM Ariel Henry. Bravo. Bravo pour PM Ariel Henry. Ouais. C'est chance pour PM Ariel Henry. C'est bon Dieu qui mette yo. Fait même Jacques ou à Salomon, continuez à demander le plus de sagesse pour diriger le peuple là. Parce que tu as fait des efforts que tu as fait pour être capable de jouer un consensus largement large. Je ne dis pas, dans un petit temps, vous mettez tout le monde chita. Pas capable de manifestation encore. Pas capable de craser brise encore. Pas capable de craser machine l'État encore. Dans ce sens, nous avons dit PM Ariel Henry, restez tête frette ou mettez dormi. Peuple là, ensemble avec vous, nous même au niveau de l'escouade démocratique qui se défense le peuple là, ou mettre tes têtes frettes, ou pour aller organiser bon genre élection, honnête, crédible, transparence dans le pays là. De façon, si vous avez besoin de pouvoir, vous avez besoin de faire à gauche à droite, vous avez besoin de bailler l'argent cartouche, bailler l'argent ZAM, si vous avez besoin de pouvoir, quitter l'argent là pour aller dans l'élection. Eh bien, PM Ariel Henry, ou tête frette, messieurs, ça que tu as dit ça, vous avez besoin de poser, oui là. Père Ariel Henry, posez ou tête fouette, Père Ariel Henry. Ou mettre quoi, peuple ensemble avec vous. Mission nous gagne aujourd'hui, c'est peuple qui bat nos missions pour nous dire, Père Ariel Henry, restez tête fouette ou mettre à l'aise ou. Tout ça, vous êtes pas de café ou bref faire ou. Merci la presse. Donc, vous parlez de avant 10 décembre que les prisonniers politiques pour aller libérer. Est-ce que c'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Il y a 9 commissaires en dedans, commission suivie accord, commission nationale suivie accord en septembre. Et bien, 9 commissaires ont demandé faut libérer les prisonniers politiques, tant qu'Anel Belize, Kili, etc. Et bien, si vous ne pouvez pas libérer les prisonniers politiques,
Pour qui raison? Ça fait pas qu'à libérer actuellement là. Bon, tout le monde, son gouvernement qui mosaïque, tout le monde rentre là-dedans, tout le monde d'accord avec Pierre Ariel Henry. Et bien, dans ce sens, ça, pas que. Dans ce sens, ça, n'a demandé avec tout policier, qui a été révoqué pour prendre place. Nous avons demandé à toute famille policier pour bailler un encadrement pour ne pas couper chèque après 3 mois. Nous avons demandé à tout prisonnier politique. Quel était Anel, Belizer, quel était Kili, etc., Babas, etc., laguer tout, bon, l'okembe ou là, pour qui sont okembe ou là, laguer Renal Coutois, laguer tout prisonnier, Abelson Gonègue, laguer tout prisonnier, parce que nous-mêmes, au niveau escouade démocratique, au niveau commissaire qui, étant que commissaire qui en donne 9 commissions, nous demandons pour laguer tout prisonnier politique, encadrer maintenant prisonnier, yo. Eh bien, je vous dis à la, c'est un consensus largement large côté tout le monde là-dedans. Il est très difficile pour une manifestation faite. Non, pas une manifestation. Parce que tout le monde là-dedans, tout le monde d'accord pour le pays à débloquer. Et c'est une raison qui fait nous-mêmes au niveau de l'escouade démocratique. Nous faisons alliance à tout le monde qui a une vision pour le peuple. Dès que vous avez une vision pour le peuple, l'escouade démocratique fait alliance ensemble avec vous. Eh bien, je vous dis à la, nous demandons libération tout le monde avant 10 décembre après ça. Merci. Donc,